J'espère que vous allez bien. Donc, on est vendredi, puis il est 8h30. Fait que ce matin, je me suis réveillée, j'ai été porter les gars à la garderie à l'école. Puis là, j'étais dans l'auto, je viens d'aller gazer, puis j'ai rentré pour faire laver le camion. J'ai toujours lavé mon camion, hein. Il me semble que j'ai fait laver souvent, mais j'aime ça qu'il soit propre. Mais là, il est vraiment dû pour se faire laver à l'intérieur, mais ça me fait réellement chier de payer comme fucking cher, genre pour le lavage d'auto à l'intérieur, quand je pourrais le faire très facilement. C'est juste qu'il faudrait que je prenne le temps. Fait que je sais pas si qu'est-ce que je vais faire, là. Parce que c'est vraiment rendu cher, là, faire laver l'auto, puis il les lave même pas comme du monde. Fait que ça me fâche, fait que des fois j'aime mieux le faire moi-même. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire laver l'extérieur. Je suis en train de me maquiller un petit peu. Si on peut appeler ça se maquiller. Je me maquille tellement mal. On dirait des fois je me regarde et je suis comme ça sert à quoi? Genre, j'ai rien fait. Puis là, c'est ça. Fait que je vais faire laver l'auto. Puis après ça, je m'en vais rejoindre mon amie à Repentigny pour aller déjeuner. Dans le fond, c'est mon amie Marie-Ève, un autre Marie-Ève, avec qui j'allais à l'école au secondaire, plus précisément. Puis on s'est toujours super bien entendu quand on était jeunes, tout ça. Puis à un moment donné, on s'est perdu du jus, on s'est chicané. Quand on était jeunes, au secondaire. Puis on s'avait revus, comme peut-être 2-3 fois, étant adulte. Mais on dirait qu'on prend pas le temps comme de se revoir. Mais là, c'est ça. Là, j'ai demandé si. On s'est demandé mutuellement là, si on pouvait se voir. Puis ça a donné qu'on pouvait aujourd'hui. Fait que je suis full contente. Fait qu'on va aller déjeuner. Puis après ça, elle va s'en venir à la maison avec moi. Mais la seule affaire, c'est qu'aujourd'hui. Genre, je m'avais planifié une journée de congé justement pour aller avec elle. Mais là, Théo, on a réussi à avoir un rendez-vous. Quelqu'un derrière moi. On a réussi à avoir un rendez-vous pour son nettoyage. Sa tombe de poils puis ses ongles. Mais c'est comme à 11h15, je pense. Fait que je vais aller là. Puis, ben, tu sais, c'est à côté de la maison. Puis après ça, j'ai l'impression d'être décousue dans ce que je dis. Puis c'est parce que je me concentre sur plusieurs choses en même temps. Faut que j'avance mon camion parce que là, le monsieur est là. Mais il y a personne en arrière, tout. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, t'as ma fille qui. Ne va pas à ses entraînements en après-midi parce que le gym est fermé. Fait que là, il faut que je la cherche tout de suite après l'école qui finit à 11h45. Fait que là, c'est ça. Ça va être une journée que je vais traîner Marie-Ève avec moi pour qu'elle vienne avec moi chercher ma fille puis aller porter Théo au nettoyage. Mais c'est pas grave. De toute façon, je pense que on va juste comme full jaser puis se raconter nos vies. Alors, c'est ça. Attends une minute. Hey, je sais pas si je vous ai fait un update de mes cils, là, mais my god. Ça a pas pris de temps là, avant que mes cils redeviennent comme beaux. Là. C'est sûr qu'il y a la seule affaire qui me gosse, c'est que pas de mascara, je me trouve encore comme. J'ai l'air morte et fatiguée. Hein? Mais aussitôt que je vais mettre du mascara, mes cils sont longs, là. Regardez ça. Ok. Je suis vraiment fière. Puis là, dans le fond, je ne voyais plus mes cils, mais la fille qui faisait mes cils, Marilyn, je l'aimais tellement, là. C'était comme notre rendez-vous là, quotidien. Ben, pas quotidien. Notre rendez-vous. Aux 2 semaines. Non, pour 2 semaines. Aux 3 semaines. J'y allais, dans le fond, j'y allais une fois à peu près aux 3 semaines. Une fois au mois, une fois aux 3 semaines. Puis on parlait là, tout le long. Puis je pense que, genre, on s'est jamais vu en dehors de nos cils, de mes cils. Mais je pense qu'on s'entendrait vraiment bien. Là, c'est ça, elle me proposait l'autre fois, l'autre fois, cette semaine. Ça serait le fun d'aller prendre un petit. Que ça serait le fun d'aller déjeuner. Fait que moi aussi, je trouverais. Moi aussi, j'aimerais bien ça. Aller déjeuner avec elle. Fait que ça serait le fun qu'on y aille. Je vais remettre mon téléphone là. Fait que c'est ça. Fait que peut-être qu'on s'organisera ça sous peu. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Je m'avais acheté des belles boucles d'oreille. Je pense que je trouve qu'ils sont super belles. Regardez. Sur Amazon. Genre, j'ai vu ça et je fais comme, oh, je vais les acheter. Parce que
Je vous les ai-tu montrés? Je pense pas. Parce que, dans le fond, mes boucles d'oreilles à moi, j'ai peur ou j'ai brise. Il y a tout le temps quelque chose. Puis je les achète, puis ça me coûte cher. Là, puis il arrive tout le temps quelque chose. Là, je me suis dit, fuck, je vais m'acheter des choses qui coûtent pas cher, comme bijoux. Comme ça, si j'ai peur, ben ça me fera moins chier. Mais là, j'ai acheté ça sur Amazon. Premièrement, ils ont même pas changé de couleur. L'autre fois, j'avais acheté des boucles d'oreilles chez Ken. Pas des boucles d'oreilles, mais des. Une chaîne chez Ken et James avec des médaillons. Ça a pas pris genre 2 mois que toutes les médaillons étaient changés de couleur. Puis j'ai même écrit, puis en tout cas, moi je trouve que c'était pas un super de bon service. Elle m'a comme dit comment les nettoyer. Mais je veux dire, crime. C'est pas normal là, que mes médaillons sont déjà scrap là. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis après ça, je me suis acheté des boucles d'oreilles chez. Comment ça s'appelle? Pandora. Puis crime, mes boucles d'oreilles est encore. Toutes sortes de la couleur changée. Là, je les ai nettoyées, ils ont revenu. Mais l'anneau, elle se ferme. Quand elle se ferme mal. Dans le fond, elle a comme loussé. Fait que là, j'essaie de la resserrer, mais ça marche pas. Là. Fait que j'ai peur tout le temps. Fait que c'est fatigant. Fait que là, je me suis acheté ceux-là sur Amazon. Ils sont super belles. Je veux dire, ils n'ont même pas décoloré une seconde. Ça fait pas longtemps que je les ai, par exemple. Mais on dirait qu'ils décoloreront pas. Mais là, j'ai perdu la deuxième ici. Ça me fâche, je la trouve pas. Je suis sûre que j'avais perdu à ma job, mais j'ai checké vite vite et j'ai pas trouvé. Mais l'affaire, c'est que j'en avais 3. Fait que là, je vais peut-être mettre la troisième qui me reste. Elle est un petit peu plus petite que celle-là, mais peut-être que ça paraîtra pas trop. Fait que voilà. Fait que là-dessus, je vais faire bientôt nettoyer mon auto. Puis on se reparle plus tard. J'essaie de vous montrer Théo avant que j'aille le faire nettoyer. Puis après. Il est vraiment dû, là. Ça va lui faire du bien de le faire laver et couper ses ongles et tout ça. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous emmener dans mon week-end de toute façon parce qu'en fin de semaine, je travaille pas. Fait que ça va être une fin de semaine... je sais pas ce que je vais faire. Fait que voilà! Avant l'audio. Puis on va faire une vidéo après. Regarde maman. Théo, assis. Assis. Bon matin. Fait qu'on est rendu samedi matin. Il fait super beau. Il est genre 9h. Puis ça, hier, mon ami est venu, on a super eu du fun, ben, on a parlé genre tout le long. Puis, on a passé pas mal la journée dehors sur le balcon. Il faisait vraiment beau. C'est ça, il est parti vers 4h, je pense. On peut dire que c'est une mini canne à pêche. C'est ta canne à pêche? Non, c'est ma canne à pêche d'avant. D'avant, ok. Ma canne à pêche à moi est dans le bon. On va l'acheter d'abord. Puis là, Dani travaille aujourd'hui. Ah, Théo! Dani travaille aujourd'hui, puis je passe la journée avec les enfants à la maison. Puis je vais ramasser la cour parce qu'il y a du caca à Théo. On dirait qu'il a chié comme 10 fois depuis hier. Puis sinon, ben, j'ai profité du soleil. Puis on est en train de gonfler, de remplir la piscine pour bientôt la partir. Elle est presque pleine. Donc, regardez ça. Est presque pleine. Après ça, on va la partir, on va mettre du chlore. Puis je vais partir le chevaux. J'aimerais ça me baigner bientôt, genre. Fait que c'est ça que les enfants sont en train de faire une guerre de... Neuf? Ils tirent une fois de temps en temps sur moi. Fait que voilà, fait que on se parle plus tard. Salut! Fait que je suis dans mon auto. Je viens d'aller partir Anthony au travail. Il faisait 11 à 4, je pense. Puis avant ça, je sais même pas si je vous ai filmé. On dirait que j'ai mis juste sur Instagram. En tout cas, on était dans la cour.
Ouais, on a été dans la course, je voulais les filmer. Mais Félix, il a sorti sa canne à pêche, puis il voulait pêcher. Mais là, finalement, sa canne à pêche, elle s'est prise dans la glaise. Parce que nous, dans la rivière, là, c'est vraiment beaucoup de glaise, là, de... C'est comme vos œufs, là. Puis là, c'est ça, sa canne à pêche, elle s'est prise dedans. Fait que là, on a sorti le kayak pour qu'il puisse aller au centre de la rivière. Aller déprendre sa canne à pêche. Sa canne à pêche était prise dans des grosses branches de bois. Fait que d'arbre plutôt. Fait qu'il a réussi à l'enlever. Puis là, il a continué à pêcher un peu sur la rivière. Mais on n'attrape jamais de poisson. Là. Mais il est pas assez patient. Genre, il lance sa ligne. Puis comme une minute après, fou, il la reprend. Fait que c'est ça. Puis là, je me suis renfoncée avec mes sandales dans la rivière. Il y a tellement de glace, c'est comme dégueulasse. Puis on n'a pas mis le ki encore. Mais il est vraiment pesant. Sinon, j'aurais fait moi-même tantôt. Mais là, c'est ça. Je vais attendre que Dany arrive. Puis on va faire ça toute la gang ensemble. Ben, les deux plus vieux, puis moi, puis Dany. Puis on va le mettre à l'eau. Fait que là, on va pouvoir aller s'asseoir sur le ki. Puis là, Félix, il était avec Elissa, avec Ellie. Pendant que je vais porter Anthony. Puis je retourne à la maison. Je vais manger parce que j'ai pas mangé, j'ai faim. Mais j'aimerais bien ça. C'est parce qu'il y a comme un Jeep à côté de moi qui m'a envoyé la main. Puis là, je parle comme tout seul parce qu'il n'y a pas personne à côté de moi. C'est un peu bizarre. Mais j'aimerais bien ça. Peut-être m'entraîner. En même temps, je pourrais ne pas m'entraîner parce que je me suis quand même entraînée 4 fois cette semaine. Genre, je pourrais m'entraîner juste lundi puis commencer ma semaine. Mais peut-être que ça me tente. Parce que les enfants ont joué dehors un peu. Fait que là, ils veulent jouer aux jeux vidéo. Fait que c'est ça. Peut-être que je pourrais m'entraîner. La maison est relativement propre. C'est juste un maudit poil. Théo, hier, il était se faire nettoyer. Il est revenu, puis on dirait que son poil, il tombe encore plus qu'il tombe d'habitude. Genre, je capote. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas de gros ménage à faire. J'ai comme du linge à plier. Mais je pourrais peut-être aller m'entraîner. Déjeuner, m'entraîner, puis après ça, voir où la vie me mène. Alissa, elle doit aller chez son amie. Dans le fond, elle s'en va chez son amie, puis tu sais que c'est comme un garçon qu'elle a rencontré. C'est comme la première fois, fait que pour ceux qui rient. Puis après ça, elle irait au cinéma avec lui. Je sais pas si tout est confirmé, mais en tout cas, il faudrait que j'aille l'apporter tantôt. Puis hier, je voulais vraiment aller au restaurant hier soir, mais on dirait que j'étais fatiguée. Puis là, il aurait fallu descendre à 2 chars parce que, si vous savez pas, mais on a 4 enfants. Puis on n'a pas de véhicule 7 places. Fait que, ben 6, 7 places. Fait que quand on sort en famille, mais on doit descendre 2 autos. Puis hier, j'étais fatiguée. Puis on dirait que ça me tentait pas de descendre. Puis en plus, à revenir après d'avoir été au restaurant. Ans, mettons. Parce que je l'ai allé au Benihana à Montréal. Puis en même temps, mais je me suis dit, ah, ça va coûter fucking cher. Là. Le Benihana, c'est comme 300$ toute la famille. Et j'étais comme, oh, ça me tente tout, ça me tente pas finalement, non. J'ai fait une grosse sieste. Puis j'ai regretté parce que j'ai passé comme quasiment toute la soirée à dormir. Mais bon, c'est pas grave, j'en avais sûrement besoin. Puis là, ben, à soir. À soir. Anthony Chic s'en va, Alissa sera pas là. Là, je me dis, putain, on va-tu manger au restaurant, on va être moins. On va prendre juste un genre. Je sais pas, on verra bien. Je sais pas à quelle heure Dany va finir de travailler. Fait que c'est ça. Fait que ça va plus tard. Bon, fait que j'ai décidé de m'entraîner finalement. J'ai fait à Dino's enfants, j'aurais fait du macaroni avec la sauce maïs. Puis Alissa va s'en occuper en haut, puis elle va passer la balayeuse en même temps. Fait que je vais faire mon jour 1 de la semaine 3. C'est du cardio, mais du cardio avec, avec la musculation, avec des poids. Fait que ça, j'aime ça. Tandis que le cardio sans poids, c'est comme vraiment tu sautes partout. Puis il y a beaucoup d'impact. Puis ça, j'aime un peu moins ça. Alors voilà, fait que je m'entraîne. Puis ben, on se reparle plus tard. Ce soir, on va aller au Benihana finalement. Fait que j'ai réservé pour 6 heures. Ma mère va venir avec nous. Puis il y a juste les deux plus jeunes qui vont venir parce que Alissa va être pas là. Puis Anthony. Il s'en va chez ses amis si je me trompe pas. À moins que ça change, mais je pense qu'il va s'en aller chez ses amis. Alors voilà, je m'entraîne. Donc, j'ai fini mon entraînement. J'ai eu chaud en midi. Je sais pas si parce qu'il fait chaud dehors et que dans la maison, c'était pas assez frais. Mais my god, j'ai encore les joues rouges. Ça fait comme... combien de temps? 33 minutes que je fais mon tapis.
puis j'ai chaud. Ben, je suis vraiment contente, on dirait que je suis dans un meilleur mood. Là, je vais finir ça. Ellie est en train de jouer aux jeux vidéo. J'ai dit que c'était fini, qu'il fallait faire une sieste. C'est rare qu'il fait des siestes, mais là, je le sens comme... Je sais pas s'il couvre quelque chose, mais il tousse un peu, puis je sais pas, mais il me semble qu'il a l'air un petit peu marraine. Puis ce soir, on va souper au restaurant à 6h quand même. Puis ça va être un long souper, fait que j'aimerais ça qu'il fasse une petite sieste. Mais en même temps, il faut que j'aille porter Alissa chez son ami à 3h. Fait qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps, parce que là, il est... Non, je sais pas l'heure. Mais je pense que c'est comme 2h. Même proche de 2h. Fait que je vais me couiller à faire ça. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller me laver. Parce que j'ai pu. Et c'est ça! Fait que... 1h40. Bon, 1h40. Fait qu'il me reste 1h20. On va aller porter Alissa. Fait qu'il faudrait que j'aille le coucher, genre, maintenant. Fait que voilà! À tantôt! OK. On est rendu dimanche. Hier, on est allé manger le beignet, c'était full bon. Ça s'est rendu tellement cher, ça n'a comme aucun bon sens. À chaque fois qu'on y va, les prix augmentent. Puis c'est un peu exagéré, là, c'est bon, là, puis c'est fun, mais on dirait que ça n'a juste pas de sens que comme ça augmente. Fait que là, j'ai compris de déjeuner. Dani m'a fait un. Des œufs, bacon, non, fruits, patates, tout le kit. Puis, aujourd'hui, ben, on n'a rien prévu. Alissa est partie travailler. Anthony a été chez des amis hier. Puis, il doit être en train de dormir parce qu'il m'a écrit un message à 2h15 pour me dire que il est arrivé chez son ami et qu'il dormait. Qu'il avait passé la soirée. Puis, sinon. C'est ça. Fait qu'on a rien prévu pour aujourd'hui. Puis, j'imagine qu'on va aller faire l'épicerie. Allô, Ellie? Fait que voilà, que je vais manger, puis on se reparle plus tard. On est en train de mettre le quai à l'eau. Mais avant, il fallait vider tous les petits compartiments noirs, là, les flotteurs. Là. Ouais, les flotteurs. Parce qu'il était rempli d'eau. Fait qu'on en a profité pour le laver. J'ai lavé aussi en dessous. Puis après, je vais laver sur le dessus. Puis on va le mettre à l'eau, juste là. Fait que je suis vraiment sale. C'est dégueulasse. Mais ça va être fait. Et on va pouvoir s'asseoir. Puis regarder l'eau et la pluie. Parce qu'il pleut. Pour leur tenir si, admettons, ils partent. Je peux pas retenir ça. Ok, attends.
Hey, allez, Tarzan. Oh my god, t'es sexy, bébé. Wow! On a mis le quai. On a mis ça dans le mot. C'est dégueulasse. Salut! Fait qu'on se retrouve plus tard. Il est déjà rendu presque 7 heures. Puis, c'est ça, le quai est installé. Fait que je me suis assise sur le quai. Je me suis versé un petit verre de sangria. Finalement, c'est Dani qui a été faire l'épicerie. Je vous ai pas fait de haul. J'ai fait une petite sieste. Puis, c'est ça. On est tellement bien ici, là. J'adore quand l'hiver finit parce que je peux enfin profiter de ma cour. Fait que voilà! T'es con! Cette semaine, me lance une roche dans l'eau. Cette semaine, dans le fond, je travaille pas mal toute la semaine à part vendredi. Mais je travaille aussi toute la fin de semaine. Donc, ça va être quand même une bonne semaine. Occupée. J'espère pour continuer mes entraînements. Puis, c'est ça. Alors, voilà. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Bye!